Bienvenue dans cette vidéo. Alors cette vidéo elle commence mal parce que j'ai cassé la courroie d'accessoires, donc on est en panne et on attend le camion de dépannage. Allez, générique. Charles. Bah, donc ce qui est cool là-dedans, c'est que le camion de dépannage, il nous emmène dans un garage, là où on allait, à Fromentine, à la Barre de Mont, parce qu'on allait voir le festival Vintage, je sais plus quoi, Surf quelque chose truc. Et c'est un rassemblement de surfeurs et de combi Volkswagen. Donc j'espère que vous allez apprécier cette petite vidéo qui commence mal, mais c'est comme ça quoi. Bon bah le camion est arrivé. Bon bah c'est comme ça hein. Voilà. Ça arrive. Bah dis pas qu'on est arrivé trop en retard. Ah bah non. Non bah de toute façon j'imagine bien que vous êtes débordé. Bon bah voilà, Auguste, hein, il est sur le dépannage et le dépanneur est sympa, donc ça c'est cool. Attendez les filles, je vais vous aider à descendre, il est trop haut. Ok, donc alors là le plan, ce qui se passe, c'est qu'on retourne à Vertoux. On retourne à Vertoux parce qu'un homme à Vertoux en vaut deux, hein, c'est bien connu. Et puis après, il y a un autre collègue qui nous emmène à la Barre de Mont. Alors je vais appeler le garagiste pour lui dire qu'on va arriver un peu en retard, qu'on va arriver à la bourre. Je ne sais pas s'il travaille demain, j'espère. Et puis s'il ne travaille pas demain, bah, on va squatter devant son garage. Et puis, pas le choix, quoi, de toute façon. Donc, on attend le collègue de Gaël, hein, qui est super sympa. Et puis, il va nous emmener à la Barre de Mont. Donc voilà, allez. La courroie, hop, en place. Ça va, t'as pas trop galéré? Ça va. Ça va? Ça le fait. C'est le métier, quoi. Ça le fait. Ouais. Par contre, ouais, y a pas de place, quoi. C'est ça le problème. C'est surtout ça. À moins de démonter tout l'avant. Ouais, voilà. Mais bon. Passer 8 heures sur une courroie, après. Ah ouais, non, là, c'est pas la peine. Ouais, c'est pas la peine. Bon, bah, merci, Garage Chartier. Hein. Le seul garagiste qui a bien voulu me dépanner, quoi. Super. Et Auguste, il va être reparti bientôt. Bon, allez, affaire à suivre, on se retrouve au combi Volkswagen. Je suis venu voir ce stand. Donc ça, c'est celle-là, tu l'as fabriquée toi-même. Hein. Donc voilà la nouvelle technologie que je voulais voir sur le festival, en plus des vannes et des coccinelles. Donc Mathieu, hein, le créateur de la chose. Hello, yo. Ingénieur, créateur, développeur de OAX Surf. Ça évite de mettre de la colle sur les planches. De la wax surtout. Ouais, wax, c'est pas de la colle, je sais pas, c'est de la colle, c'est quoi, je sais pas. L'organique, wax, en fait, organique parce qu'on travaille avec du liège, matériau naturel. Voilà. Et ça marche alors? Ça marche bien? Ça marche très bien. Ça marche très bien. Ça marche très fort. Ça accroche à fond pour rider. Ça marche sur tous les sports d'eau. D'eau, ouais, pas pour les skates. Tous les sports de glisse et d'eau. Pour le skate, on travaille sur des projets de développement de skate, mais plus pas sur du street skate, sur du surf skate ou sur du longboard. Parce que skater pieds nus, c'est super agréable, et pieds nus sur du liège, c'est encore plus agréable. En fait, c'est comme du cuir. D'accord. Alors en surf, quand c'est mouillé, c'est comme du cuir mouillé, et puis en skate, c'est comme. Et pourquoi ça marcherait pas avec les surfs des neiges? Eh ben, figure-toi que. Ça se trouve, ça marche. Hein. J'ai un client qui est venu, qui m'a pris des grippes ce matin et qui fait du snowboard. Ah bah tiens. Et il a trouvé une utilité pour le snowboard, justement, pour avoir du grip entre les deux fixations, entre les deux pieds, quand on est sur des phases de remontée mécanique. Eh ben, ça permet de ne pas rechausser le pied et d'avoir du grip sur la board. Il a pris un kit pour équiper sa board. Et demain, pourquoi pas développer un produit pour le snowboard plus spécifique en termes de dimension. Eh oui. Voilà. Bon bah très bien. Notre produit phare de l'été, voilà, c'est la star de l'été. Elle va faire des vagues tout l'été. Waouh, pas mal.